Yo tout le monde, c'est Souris sans Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Gris. J'ai un bug, du coup faut que je relance le jeu. Voilà, là normalement ça devrait régler le problème. Parce que en fait il y a un bug sur le jeu et voilà, ça c'est voilà, c'est un petit bug. C'est dû uniquement ici ou si jamais je fais pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Donc là, on a la possibilité de faire carré comme ça. Donc nous on va aller à droite pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir. Ah bah tiens, on a un saut de crème. Bon, on va pouvoir récupérer un autre secret. Alors le bug là aussi il l'est. Là aussi là parce qu'en fait la tempête en fait ça reste constant sur le jeu, c'est à dire que là je peux pas faire autrement que d'avoir constamment la tempête, ce qui est un peu je sais pas c'est dû à quoi, mais à chaque fois que je relance le jeu et que je refais que je retourne sur le jeu, ça fait ça. Donc ça veut dire que là c'est vraiment bugué maintenant, ça sera toujours comme ça. Bah tant pis, hein, je veux dire honnêtement. Alors il y a un endroit il me semble que le bug sera réglé. En attendant, bah là c'est sombre. Alors c'est pour ça que j'ai restart à la sauvegarde. Normalement il me semble que quand on fait ça, après on prend la pluie après. C'est pour ça que je le laisse parce que pour le moment je sais qu'après normalement on l'a pu. Alors si en fait on l'a toujours. Bon c'est pas grave, tant pis, faut que je refasse ça parce qu'il y a encore le bug. Ça c'est gênant, mais malheureusement si je fais pas ce niveau du début jusqu'à sa fin, si je relance le niveau en intermédiaire, ça fait un bug. Ah bah du coup ça m'a fait, ouais, bah, ça me fait revenir là. Allez, au dernier point de sauvegarde. Bon en tout cas je suis désolé en tout cas pour ça, mais malheureusement je peux vraiment rien y faire. À chaque fois que je vais revenir sur le jeu, ça va faire ça.
je sais pas trop, je sais pas si vraiment dû à quoi, mais bon. Bon, voilà. On va refaire. Voilà, à partir de maintenant, il n'y en aura plus parce que le bug, c'était juste dû à cette tempête. Moi je connais le jeu et c'est le seul bug qu'on aura, donc à partir de maintenant, voilà, il n'y en aura plus du tout de bug. Et il faut vraiment en fait faire la phase de la tempête en une seule fois. C'est-à-dire que si jamais vous êtes comme moi, vous revenez sur le jeu plus tard, bah, je sais pas pourquoi ça va faire ça. Après je pouvais pas faire une seule et même vidéo sur cet endroit. Mais enfin, si j'avais fait une seule vidéo, il n'y aurait pas de problème quoi. Ah, c'est pas grave. Alors pour l'instant, c'est très beau. Et vous allez voir que plus on va avancer, plus ça va être beau. Là, si vous, parce que là, c'est peut-être beau. Là, je vous assure que ça n'est rien par rapport à ce qui arrive. Bientôt, on va débloquer un nouveau pouvoir, ça sera la couleur verte. C'est comme j'avais dit, c'est un let's play assez court. Enfin, ça va vraiment être un let's play très très court. Parce qu'au total, sur le jeu, si vous demandez combien de couleurs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc juste avec une deux vidéos, on va vraiment très 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 bien avancer sur le jeu. Et aussi je vous montre les emplacements de tous les secrets, étant donné que je connais tous les emplacements des secrets sur ce jeu. Vous rassurer qu'au début ça va être rapide, mais plus on va avancer sur le jeu, plus les niveaux vont être longs, parce que là c'est vrai que le niveau, on va dire ce niveau, c'est tout un niveau, hein. Un niveau ça me fait à peu près deux vidéos du coup finalement. Ouais, ça va faire à peu près ça, ça va faire à peu près un niveau, une vidéo, donc
là, si vous arrivez ici, il y a un secret. Je vous montrerai de toute façon une vidéo dédiée sur les secrets de ce jeu. Et vu que je connais les secrets, bah, comme ça je peux vous les montrer aussi. Je pense qu'aujourd'hui on va pouvoir débloquer la deuxième couleur. Parce qu'au total on a la couleur rouge, la couleur verte, la couleur bleue et la couleur jaune. Donc si on débloque déjà la couleur verte, ça voudrait dire qu'il nous reste encore la couleur bleue, la couleur jaune, donc on aurait fait la moitié du jeu. À peu près. Enfin, après, comme j'ai dit, enfin, la moitié du jeu en termes de couleurs à récupérer, mais. Et le jeu est quand même un peu plus long que simplement. Simplement ça. Hein. Alors après, je dis qu'on va débloquer une couleur, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va débloquer une deuxième couleur aujourd'hui. Enfin, du moins, si jamais on ne débloque pas une deuxième couleur aujourd'hui, la prochaine fois, par contre, on la débloquera. Mais je pense qu'on la débloquera aujourd'hui parce qu'honnêtement, avec le temps qui nous reste, j'en suis quasi sûr que ça sera le cas. Ouais, donc là, je vous montre l'emplacement d'un secret qui se trouve ici. C'est pratique quand même de connaître tous les emplacements des secrets. C'est comme ça, je peux en profiter comme ça pour vous les montrer. Comme ça, si vous voulez faire le 100%, on va dire, secret, comme ça, vous pouvez le faire. La musique, elle est bien, hein, la musique. Hein. Moi, j'aime bien, c'est détente. Si jamais vous avez obtenu un trophée,
c'est que vous avez récupéré, vous avez tout. Voilà, parce que les petites statues que je suis en train, que je défais, si vous les récupérez toutes, vous avez un trophée. Et normalement, si j'en ai pas loupé, normalement, là, vous avez un trophée. Bah là, la deuxième couleur, on va l'obtenir juste après ça. Donc aujourd'hui, oui, vous aurez bel et bien, j'aurais bien débloqué la couleur verte. Alors on a perdu un petit peu de temps à cause du bug. Donc là, il suffira juste de simplement on tombe comme ça. Et voilà, on a débloqué la couleur verte. Donc vous voyez, tout est un peu plus joli maintenant qu'on a débloqué la couleur verte. Vous en souvenez du moment où on était ici? Et bien on est à nouveau au même endroit. Cette fois-ci, on a débloqué la couleur verte. Au même endroit, mais ça a un peu changé. Et donc du coup, la petite miniature, et ben ça sera au même endroit. Voilà, je fais la miniature au même endroit où on a fait la toute première. Donc du coup, on va bientôt être à court de temps. Donc je vais quand même aller au niveau du prochain niveau pour que vous voyez un petit peu à quoi va ressembler la prochaine vidéo. Mais je pense qu'à chaque fois que vous aurez une vidéo, ça va vraiment changer. À chaque fois le décor sera jamais le même. Je pense. Bah ça va être pile poil. On va arriver pile poil dans le niveau. Et que ça va être la fin de la vidéo. Voilà, donc là on est théoriquement à court de temps. Et voilà, vous allez avoir un aperçu de ce qu'il y aura et ben la prochaine fois.
Donc, eh ben, je vous retrouverai la prochaine fois dimanche. Donc, eh ben, à dimanche, c'était Souris sans trophée.